Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine et en même temps de ce mois de mars. Nous sommes vendredi 31 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien aujourd'hui, pour terminer ce mois et cette semaine, j'ai pigé pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Pardon, pardonner à soi-même et pardonner aux autres, chose pas facile, n'est-ce pas? Peut-être que, pour certains d'entre vous, ces derniers temps, tu es devenu un peu trop sévère envers toi-même au cours du cheminement de ta vie, que tu ne parviens pas à te pardonner certaines de tes décisions et que c'est pour cette raison que tu t'es recroquevillé sur toi. Peut-être que tu ne te pardonnes pas de certaines choses que tu as faites. Alors la fleur du pardon te fait parvenir l'énergie délicate de l'indulgence. Elle brise l'attitude trop rigide que tu as adoptée envers toi-même. Elle te vient en aide dans le processus du pardon face à tes propres actions. Vous n'êtes encore que des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, avec nos qualités, nos défauts, nos expériences, bonnes ou mauvaises. Si nous avons pris des mauvaises décisions, nous avons le droit de nous pardonner. Nous ne sommes pas des anges. Si nous avons expérimenté des choses pas très bien, mais on doit se pardonner. Car nous avons expérimenté, nous n'étions pas dans la connaissance. Le pardon n'est pas facile pour soi et le pardon n'est pas facile pour les autres. En premier, c'est se pardonner à soi, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire. Et puis pardonner aux autres. C'est important pour pouvoir continuer son chemin dans cette vie terrestre. Alors on va pardonner pas pour l'autre, on va pardonner pour soi, pour être serein. Eh bien, la fleur de vie vient te mettre maintenant en relation avec la flamme violette du pardon, qui métamorphose tout. Visionne une flamme violette. Et elle te demande d'être indulgent vis-à-vis de toi. Tu deviendras capable d'observer d'un œil bienveillant, n'est-ce pas, et compréhensif tout ce que tu rencontres sur le chemin de ta vie. L'énergie du pardon va traverser ton cœur et elle pénétrera ton être tout entier. Tu es maintenant prêt à pardonner de tout cœur à toi-même ainsi qu'à tous les êtres vivants qui t'ont fait du mal. Cette belle flamme de l'enthousiasme pour ta vie s'embrase ainsi à nouveau en toi. Tes énergies créatrices reviennent en toi à la manière d'une énorme vague. Le pardon va te libérer. Il va te faire pousser des ailes
pour que tu puisses considérer ta vie comme une fête que tu vas célébrer. Tes pensées alors seront libres, et c'est ainsi que le bonheur et la joie de vivre pourront à nouveau s'installer en toi. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Waouh, quel beau message pour terminer cette semaine et ce mois. Oui, ben ça c'est ma petite plume qui dit un petit bonjour. Voilà, je termine par le petit oracle des couleurs. Eh bien, j'ai pigé rubis, la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Eh bien voilà, nous terminons ce mois de mars déjà. Ça passe tellement, tellement vite. Je suis perturbée par le pardon parce que ça me parle beaucoup des choses voilà, que moi j'ai fait, que je me suis pardonnée et que j'ai pardonné aux autres. Parce que bon, voilà, ça n'a pas été tout rose et violette. J'ai eu la trahison, le mensonge, l'abus de pouvoir, la manipulation, etc., etc. Et c'est avec le pardon que j'ai pu continuer et que je suis, dans une énergie si belle, si positive. Je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'un joli week-end. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule pour de nouveaux messages, pour de nouvelles énergies. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À tout bientôt.